Voilà, c'est là d'où je viens. Et on va dans le bout. Qu'est-ce que c'est? Combien, j'arrive pas à voir. Ah, ah, j'ai l'impression que c'était dimension 1865, hein. Putain, les enculés avec les bouillés par-dessus. 1865. Neuf 1891. Putain. Ah. 1943 ou 48. C'est dingue, je sais pas avec quoi ils ont écrit, je sais pas si c'est du crayon de bois, même pas. Sûrement. Ah, donc par là, on peut pas y aller. J'avais été voir vite fait. Bon, là, on va vers la partie gauche. L'année dernière. Ça mène à l'entrée. C'est beau. Bon, alors on arrive dans le fond du fond. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bois. Ça c'est des gours. Je sais pas comment que ça se forme ces machins-là. C'était des barrières d'eau, mais des anciens niveaux d'eau.
Alors là, c'est la meilleure, la flèche elle pointe dans le sens. C'est possible, c'est quoi? Ah oui, voilà, c'est ça. Là, on tourne en rond. Je vais retrouver mon sac un peu plus loin. Bon allez, ça, est-ce que ça mène au bout? La merde de chauve-souris. Ah ouais. Est-ce qu'elle est chaude? Ouais. Toujours plus chaude que la rivière. Là, je suis en mode planche. Putain, si je veux aller au bout, ah, je vais être trempé. Ah, je réfléchis. Là, il est 18 h. Enfin, ouais. Ouais, 18 h 30. Je vais rentrer dans le froid. Ah, c'est mort, j'y vais demain. Thank you.
Putain, c'est le canon ça. Super beau. Je crois que c'est sûr que je passe pas. Peut-être à poil. Non, faudrait l'agrandir. Oh, il est beau lui, il est tout blanc. Oh, de toute façon, c'est bougé. Putain, c'est classe. Pourquoi c'est blanc? Oh, c'est peut-être parce qu'il y a plus de débit. Et genre, c'est blanc. Un peu comme cela. Il y a un petit courant d'air derrière. Bon ben toi, je te dis à demain. J'ai besoin de me rincer là. Ça fait deux grottes que j'ai pu faire et j'ai pas pu me toucher. Puis la rivière, c'est trop froid. Caca de chauve-souris. Ah, c'est ça, une odeur. Ça sent plutôt bon. Ah ouais, il y a des écritures de partout. Mais là, ouais, c'est des niveaux de flotte.
avec ça. Tout ça. Et après, là, c'est de la boue. L'anecdote, le gâteau de chauve-souris, ça sent bon. Ouais, je l'ai pas pris ici. C'est pas la même pierre ici. Ah, c'est le quartz. Moi, je veux de l'or. Là, on est dans la galerie principale. Je sais pas ce que c'est. Et là, ça pousse sur le côté. J'ai l'impression que c'est comme si c'était les cristaux d'aragonite qui se forment avec des veines d'humidité.
Il y a un monsieur qui disait, enfin c'était dans un gouffre, c'est là où il y a les plus gros au monde, je crois, que ça se faisait pas dans des grottes. À tous les coups, c'en est. Pourquoi je m'embarque encore? Putain, si là j'ai envie d'y aller. Faudrait péter ce caillou. Et ça passe. Allez, non, je vais pas faire le con, j'ai plus de batterie. Il suffit que j'arrive plus à mettre la main dans mes poches. Ah, ben ça y est, j'ai mouillé le sabot. Allez. Ça va, si j'aurais baigné mon pantalon, j'aurais été me tremper carrément dans les gourds. Ce sera demain. Putain. La tête, elle passe pas. Ah, ça se tente. Donc là, on est en face du truc de tout à l'heure.
mystère. Au final, les piles de la lampe frontale, c'est des piles classiques. Et ça tient aussi bien que les batteries. Pas mal. Allez, on rentre au jour. Putain de moustique. Bon, ça va, il fait pas nuit. Demain, exploration de la partie gauche. Ce coup-ci, je prends pas l'escalade, je vais prendre le chemin de rando. Allez. Bon, aujourd'hui, c'est le moment d'aller au bout. Au bout de ces gours. On dirait que le niveau d'eau a baissé. Et voilà la zone du bout du bout. Putain, faut que je trouve le courage. De toute façon, ça sert à rien que j'avance les serviettes. Putain, il faut que j'aille la tête la première. Est-ce qu'il faut que j'avance à quatre pattes là? Oh la vache. Oh, ouais.
c'est pas si terrible. Il y a des gravures là, je sais pas. Une mouche à cette distance. 1800 combien? 1981, ouais, je sais pas. Oh, ça va, j'aurais cru qu'il y en aurait plus. Plus. Oh non, je pensais que ça continuait un peu plus loin. Putain. Je sais pas c'est quoi comme caillou ça.
Hier, j'étais plus souple.